Dans l'épisode du 13 octobre de Demain nous appartient, les enquêteurs rassemblent des informations sur Amanda, Marion Christman, et apprennent qu'elle était bien en Martinique pour les funérailles d'Ulysse, Sébastien Capgras. Elle a cependant démissionné du poste qu'elle avait trouvé là-bas puis fait une grosse dépression avant de disparaître. Il est clair qu'elle n'a jamais surmonté la mort de son petit ami et qu'elle veut se venger de tous ceux impliqués dans la tragédie. Interrogée par Georges, Mayel El Hajaoui, et Karim, Sami Garbi, Victoire, Solène Hébert, n'arrivent pas à croire qu'Amanda puisse être la coupable. Elle accepte cependant de tendre un piège à son ami en l'invitant à déjeuner pour permettre à la police de la coincer. Quand elle l'appelle cependant, Amanda ne répond pas et force Victoire à laisser un message. Message qu'Amanda supprime aussitôt l'avoir écouté. Se doutant qu'elle est traquée, elle jette son téléphone dans une poubelle, où il est trouvé peu de temps après par Karim Elisa, Naïma Rodrigue. Débarrassée de cet outil susceptible de dévoiler sa localisation, Amanda prend Martin en filature et le suit jusque chez lui. Pendant ce temps à l'hôpital, Nordine, Youssef Agal, va voir Sophie, Carole Bianic, pour prendre des nouvelles. Elle lui demande si la police a identifié la tueuse et, après avoir refusé de dévoiler des informations liées à l'affaire, Nordine finit par lui dire qu'il s'agit de l'ex d'Ulysse, Amanda. Peu après, CIST Benjamin, Alexandre Varga, qui rend visite à Sophie pour la remercier d'avoir appelé les secours le jour où il s'est fait tirer dessus. Quand Sophie explique que c'est à cause d'elle qu'il s'est fait tirer dessus, le pédiatre fait comprendre qu'il le savait et que ça n'efface en rien son acte pour le sauver. Nora et Gabriel continuent de se rapprocher au lycée, Adam, Alain Lebar, et Amel, Maëlie Sadal, par le concours photo, et c'est Amel qui l'encourage à y participer. Puisque les photos nécessitent un sujet vivant, Emma, Luna Lou, propose de poser pour Adam, et même pour que ce dernier puisse prendre des photos Emma. C'est donc là qu'ils se retrouvent pour commencer le shooting. Seulement Emma se rend vite compte, la mine déconfite, qu'Amel est présente aussi et qu'elle s'entend plutôt bien avec Adam. La première partie du photoshoot est difficile car Emma est dérangée par la présence d'Amel, mais la suite se passe mieux après que Camille, Elisa et Zedine, aient réussi à la rassurer. Enfin l'homme avec qui Soraya, Kenza Saïbi Couton, a mal terminé son date lui a envoyé un petit colis pour s'excuser de son comportement de goujat. Gabriel arrive alors à retrouver le nom et le numéro de l'homme en question et non, Saël de Figueredo, va s'assurer que ses intentions sont honorables avant de laisser sa sœur apprécier son rendez-vous. Pendant ce temps Nour passe la soirée avec Gabriel, Arthur Legrand, et, encore une fois, les deux jeunes se rapprochent.